Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui rapidement une petite Shadow Shorties concernant des choses qui vont venir, qui vont venir, oui en effet, des achats, des informations, un petit peu de tout. Donc en gros principalement, bon je pense que vous êtes un petit peu au courant, mais ce week-end c'est le Festibrick. Et donc, j'ai dû un petit peu commencer à stresser parce que, comme je pense 75% des personnes qui exposent là-bas, je suis un gros flemmard et donc je me suis mis à bosser que très tardivement. Et donc, le stress m'a rattrapé, m'a foutu un gros coup de poing dans la tronche. Et c'est pas marrant, je peux vous l'assurer. Et pourtant, je fais ça chaque année, mais bon, c'est pas grave. Donc, oui. J'ai commencé à travailler un petit peu il y a un bout de temps maintenant, enfin ce que je considère être un bout de temps en tous les cas, et en fait si vous voulez dans l'idée, j'avais besoin de certaines pièces, donc je me suis dit je vais sortir rapidement pour aller les chercher parce que très franchement, j'ai juste pas du tout le temps quoi, j'ai envie de dire, voilà quoi. Et donc, je suis sorti à un endroit où je pensais pouvoir trouver vraiment le seul endroit où je pensais encore pouvoir trouver le set qu'il me fallait, c'est-à-dire le set Ultra Ball de Joker, donc de l'an dernier. Hein, vous savez, le set qui contient donc des pièces violettes dont j'avais justement besoin pour terminer ma création. Enfin, pour la terminer. Elle n'est pas terminée, mais pour au moins bien l'entamer, quoi. Et donc, je ne l'ai pas trouvé. Donc, pour ceux qui viennent au Festibrick, comme je l'ai demandé à Exocis, et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes exposant, n'hésitez pas à me contacter pour les pièces violettes du set donc, que je vous emprunterai le temps d'un week-end. Voilà, bien entendu, si je fais une Shadow Sortie, c'est que j'ai d'autres informations à vous donner. Donc, bien entendu, soyez présents samedi et dimanche à Villebon sur Yvette dans le 91. Donc, bien entendu, samedi et dimanche, je crois que c'est le 26 et le 27, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, dans l'idée, oui, soyez présents et venez nous voir, ça nous fera vachement plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bien entendu, les magasins ont mis leur rayon de Noël en place. Donc, depuis une bonne petite semaine maintenant, d'ailleurs, hein. J'en ai profité pour récupérer à Carrefour un set qui, personnellement, ne m'intéressait pas énormément, mais je me suis dit que, la tradition fait que, cette année aussi, vous y aurez le droit, donc, et avec cet éclairage pourri, vous aurez une superbe boîte avec des couleurs bizarres. Mais en gros, dans l'idée, c'est le calendrier de l'Avent Lego City. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller le récupérer si vous le souhaitez, étant donné qu'il est à 15€ à Carrefour, 16€, pardon, 15,95€, je crois. Et donc, je pense que c'est l'endroit où je l'ai vu le moins cher. Donc voilà, 15€, c'est correct. Je me suis aussi chopé une figurine que je voulais pas me choper, mais voilà. C'est pas très important sur la life en l'occurrence, donc... écoutez, comme je disais, on se retrouve ce week-end à Festibrick. Et on se retrouve aussi pendant tout le mois de décembre pour le calendrier de l'Avent City et peut-être plus. On verra bien. Et écoutez, moi j'espère que vous serez tous présents et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.